Good morning, allez, Idan, et ce sera aujourd'hui le Nishmat Avraham Mordechai Ben Yitzchak Befeni Dvora Bat Esther, Jamil Tarab, le Bet Mesalaton, et Yosef Shahuda Ben Sarah. Si vous souhaitez aussi déjà une prochaine étude de Mishnah, contactez 5 minutes éternelles. Nous étudions Maserhet Yvam, Perek Yud, Mishnah Hey. Amrulo, Meta Ishtecha, Venasa Achota Me Avia. Meta, Venasa Achota Me Ima. Meta, Venasa Achota Me Avia. Meta, Venasa Achota Me Ima. Menim Tseu Kulan Kayamot. Mutar barishona, bashlijit, ou baramjit, ou potrot saroten, ve asur bashnia, ou barvit, ve envia tachat meen, poteret sarata. Ve imba la shnia le achar mitatarishona, mutar bashnia ou barvit, ou potrot saroten, ve asur bashlijit, ou baramjit, ve envia tachat meen, poteret sarata. On a une histoire, les halachot qu'on va avoir dedans, elles sont très simples, pas compliquées du tout. Et l'histoire, elle est relativement un peu compliquée. C'est un peu comment? Ça va aller, Bézant Hachem. Ce qui se passe, c'est qu'on parle d'une... On va d'abord imaginer une grande fratrie. Non, je retourne directement à l'histoire. On va toujours continuer à parler du même principe. Qu'il y a eu un homme qui s'est marié avec une femme qui est partie à l'étranger. Et on vient, on lui raconte que sa femme, elle est morte. Or, si sa femme, elle est morte, il a le droit maintenant de se marier avec sa sœur. Après, il s'est marié avec sa sœur. Même principe. Après, sa sœur aussi, elle a besoin de partir de ses rencontres. La arrête. Et malheureusement, ils font que de couler en route le bateau. Donc elle aussi, elle est partie en cause de la arrête et puis finalement, elle est morte. Donc c'est marié aussi avec une autre sœur. D'accord? Ça, le principe général. Et après, une fois qu'après sa femme est morte, femme 3, elle est décédée, il s'est marié avec femme 4, qui est aussi sa sœur. Ce qui se passe, c'est qu'en fait, en réalité, elles sont toutes sœurs, mais c'est des demi-sœurs, c'est toutes des demi-sœurs, tantôt par le père, tantôt par la mère. C'est-à-dire qu'en fait, on a femme 1, on va arriver jusqu'à femme 6, d'accord? La Mishnah a pris, on parle que de 5, mais parce que la première femme, c'est aussi la femme 1. Il y a 6 femmes, en fait, que quand... Et à chaque fois, on parle qu'il y a soit elles sont frères de père, soit frères de mère. Par exemple, il y avait un homme qui s'est marié avec une... Qui a eu d'abord, qui s'est marié avec une première femme, il a eu une fille, femme 1. Après, il s'est marié avec une deuxième femme, il a eu une deuxième fille, qui s'appelait femme 2. Après... Il a divorcé sa mère, sa deuxième femme, l'autre là, ce monsieur. Cette femme-là, elle est partie se marier avec un autre mari qui a eu une fille, femme 3. Donc en fait, elles sont sœurs de mère maintenant, femme 1, femme 2, femme 3. Femme 1, elle est sœur de père avec femme 2. Femme 2, elle est sœur de mère avec femme 3. Après, de nouveau, sa mère, elle a divorcé, elle est partie se marier avec un autre monsieur, et donc... Bien évidemment, ils ont eu de nouveau une sœur, femme 4, et après ce monsieur, il a divorcé, il est parti se marier avec une autre femme, il a eu femme 5, et cette femme, elle a divorcé, elle est partie se marier avec un autre monsieur qui a eu femme 6. C'est vrai qu'en fait, on a 6 femmes, en dents de 6. La première, elle est sœur de père avec la femme 2, et aucun rapport avec femme 3. La deuxième, elle est sœur de mère avec femme 3, et aucun rapport avec femme 4. Et femme 4, elle est sœur de père avec femme 3, mais pas... D'accord, et ainsi de suite, quoi, vous avez compris. Tantôt, sœur de père, sœur de mère. Donc, comme ça, on a réussi à avoir une série de 6 femmes. C'est clair pour le moment le cas. Ce qui se passe, c'est qu'en fait, notre ami, on lui raconte que sa femme, elle est décédée. Elle est partie en route de l'arrêt, elle est décédée. Il se marie avec la deuxième. Elle part elle aussi en route de l'arrêt, elle décède. Il se marie avec la troisième. Elle part en route de l'arrêt, elle décède. Et puis après, il s'avère qu'en fait, que la première femme n'était pas morte, uniquement. Après, il apprend que sa première femme, en réalité, elle n'était pas morte. Faites le calcul tout seul, vous avez tous dû comprendre. Si sa première femme n'était pas morte, donc quand il s'est marié avec la deuxième, elle n'a pas été mariée parce que c'est la sœur de sa femme. Si sa femme, elle était décédée, les Kiddushin il aurait pu marier la deuxième, la femme 2. Or, si sa femme n'était pas décédée, donc ce qu'il a fait avec la deuxième, c'était nul et non avenu. Mais maintenant, l'avantage qu'il a malgré tout, c'est que dans ce cas-là, quand il s'est marié avec femme 3, alors ça a fonctionné. Parce que sa vraie femme, c'était femme 1. Femme 2 n'était pas sa femme. Femme 3, elle n'a aucun lien de parenté avec femme 1. Donc, c'est que le chine fonctionne. Puisque femme 3, elle est mariée à lui. Donc femme 4, elle ne peut pas se marier avec lui, puisqu'en fait, elle est vivante. Si elle est vivante, elle peut se marier, il ne peut pas se marier avec femme 4. D'accord, le Kiddushin ça marche pas, je peux pas donner des Kiddushin à ma belle-sœur, elle va pas être mariée. Mais par contre, femme 5, elle va oui être mariée. En fait, il va s'avérer que, et ainsi de suite, vous avez compris le principe. C'est-à-dire que si femme 1, elle était vivante, alors
Alors il s'avère que femme 1, enfin, j'appelle moi femme 2, femme 4 et femme 6 n'étaient pas mariées, tandis que femme 2, je sais pas où j'en suis, femme 1, c'était la sienne, donc femme 3 et femme 5 et femme 7, si vous voulez, elles vont oui être mariées. Une sur deux elle va être mariée, une sur deux elle ne va plus être mariée. Puisque tout ça, c'est à cause de la première, c'est-à-dire, il a marié la première, on lui a raconté qu'elle est décédée, il s'est marié avec la deuxième. Si les guillotines n'ont pas fonctionné pour la deuxième, eh bien, il s'avère que la troisième, elle sera mariée. Mais puisque la troisième, elle est mariée, la quatrième n'était pas mariée. Et puisque la quatrième n'était pas mariée, la cinquième, elle sera mariée. C'est le principe de la Mishnah. C'est très simple. Il s'avère qu'en fait, une sur deux, les pères ou les impères, elles vont être toutes mariées. Et les pères vont, disons, les pères vont être, mais les pères, P-A-I-E, ouais. Les femmes numéro pair vont être mariées et les femmes numéro impair ne vont pas être mariées. Et si toutefois, en réalité, on va réaliser qu'en fait, réellement, sa première femme, elle était décédée finalement. C'est-à-dire, jusqu'à qu'il a fait la choupa et qu'il s'est marié avec la femme 2, sa femme, elle était réellement décédée. On a regardé les dates, on a vérifié. C'était... Dans ce cas-là, il s'avère que les femmes, toutes les femmes impair vont être mariées et toutes les femmes pair vont être pas mariées. Ok ? Quand on a des femmes qui sont mariées, alors ça signifie qu'elles sont complètement mariées, ça signifie que si ce monsieur est là par ça d'autres femmes, et qu'après il décède lui aussi, et là il laisse pas d'enfants, et bien toutes les femmes qui sont mariées, ce sont des vraies femmes, il faut leur faire le hiboum, quand ils font le hiboum, elles vont dispenser aussi les co-épouses de ce cher monsieur qui fait que de perdre ses femmes. Et voilà, on a fait toute la Mishnah par cœur, regardez dans les mots comment ça va être facile, Bézant Hachem. Amroulo, on lui a dit, Meta Ishtecha, sa femme elle est morte. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a marié sa demi-sœur de père. Sa sœur de père, sa demi-sœur de père. Ensuite, Meta, après on lui a raconté que cette demi-sœur de père, qu'il a mariée, on lui a raconté qu'elle est morte. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a marié sa demi-sœur de mère cette fois-ci. Meta, après on lui a dit qu'elle est morte, elle aussi. Donc il est parti se marier avec la sœur de sa sœur de père, avec un autre père. Et après, de nouveau, Meta, elle est décédée. Eh bien, Venasa Chota Meima, elle a marié aussi. Il est parti marier sa sœur de mère. Et après, Venimseu Kolan Kaimot, après on réalise qu'en réalité, tout le monde était vivant, il n'y a aucun mort dans l'histoire. Alors, la Mishnah m'enseigne, c'est pas compliqué. Moutar Barishona, Vashlishit Bachamchi, il sera permis avec la première, la troisième, la cinquième, c'est-à-dire la première femme qui était la sienne en réalité. Oui. Il a même permis avec la première, avec la troisième, avec la cinquième, et la septième. Toutes les numéros impairs, ou peut trop tsaroter, et quand il va faire le. Si toutefois il décède sans enfant, et qu'on va faire le hiboum à l'une de ses femmes, les numéros impairs, alors elles dispenseront les co-épouses, s'il avait d'autres femmes en plus de ça. Par contre, Vassour Bashnia, ou Barvit, par contre, il a interdit par. Il n'a pas le droit de rester marié avec la deuxième et la quatrième, parce qu'en réalité, il s'avère que c'était, puisque sa femme n'était pas décédée, il s'avère que c'était la sœur de sa femme, soit de père, soit de mère, donc il n'a pas le droit de la toucher. Donc la numéro 2, elle est sœur de père, on va dire, avec la numéro 1, puisque la numéro 1, c'est sa femme, il n'a pas le droit. Et la numéro 3 aussi, c'est sa femme, donc la numéro 4, c'est sa sœur de mère, de nouveau, avec la, donc on peut se marier. D'accord? Et puisque maintenant, ces femmes, les numéros pères, par exemple, ne sont pas mariées, alors ben biata khatmen, poteret sarata. La bia d'aucune d'entre elles pourra dispenser sa tsara, la coépouse, parce que c'est pas sa femme. Par contre, veimba la shniya le achar metatarishna. Si toutefois il a concrétisé le mariage avec la deuxième, mais que une fois que sa femme était réellement morte. C'est-à-dire qu'en fait on lui dit que sa femme est morte, il a passé 3 mois de tristesse, finalement il a commencé les shidurim avec sa belle-sœur de mère ou de père, et puis finalement. Ils ont fixé une date de mariage, et on vérifie avec les dates de mariage, Baruch HaShem, il a fait la choupa quand sa femme, elle était réellement morte. Il s'avère que maintenant, la deuxième femme, ça devient sa femme. Si la deuxième femme devient sa femme, la troisième n'est plus sa femme, parce que ça devient la sœur de mère, de père, je ne sais plus où j'en suis. D'accord? Et ainsi de suite, donc tous les numéros pères vont devenir maintenant les bonnes femmes, et tous les numéros impairs ne vont plus être les femmes. Donc c'est ce que la Mishnah me dit, « Vimba la shnia le achar mitat rishona » Si toutefois il est parti avec la deuxième, il a commencé, il a eu un rapport avec elle. La charme est intéressante, après que sa première femme est décédée. Alors dans ce cas-là, Moutar Bashnia Barvit, dans ce cas-là, il sera permis avec la deuxième et la quatrième, ou Potrot Tsorotéen, et en plus de ça, ce sont des vraies femmes qui vont même dispenser les Tsarot. S'il y a d'autres co-épouses, elles pourront les dispenser du hiboum.
Par contre, que Ve'asur bashlishit ou bachamishit, il n'a pas le droit, par contre, il n'a pas le droit de se marier avec ni avec la troisième ni la cinquième, parce que la troisième et la cinquième, il s'avère que c'est la sœur de sa vraie femme. Ve'enbiatachatmen peut-être sainte, et si toutefois il meurt son enfant, et qu'après on va vouloir faire le hiboum à la numéro 3 ou numéro 5, eh ben il ne va pas, on ne pourra pas dispenser les autres de la mitzvah de hiboum, étant donné qu'elle ne s'était pas ses femmes. Ok? Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui, je suis une pleine d'Atsakha Koltou, c'est là.